Yo, salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment mettre de la merde sur son PC, un tuto vraiment bien et idéal. Donc il y a plein de gens qui nous disent mais comment vous faites? Et nous on répond, c'est très simple. C'est très très simple, franchement ces gens-là on les comprend pas parce que quand on veut, on peut. Hein. Donc, mais vu qu'on commence à en avoir marre qu'on nous pose cette question, et ben voilà, on va y faire un petit tuto. Petit secret de famille qu'on va révéler. On va lancer Internet. Avec votre barre de recherche juste là. Barre de recherche. Vous allez mettre, par exemple, si ça vous fait kiffer. Non, il faut mettre vraiment bien. Barre. Non, t'es pas dedans. Je vais mettre barre. Excusez-moi. Barre. Barre de recherche. Ici, pour une recherche. Voilà. Là, nous allons aller dans le premier. Enfin, c'est pas très dur. Hein. Allez, on y va. Voilà, donc là, vous allez aller sur. Le premier c'est Firefox, donc là Firefox j'ai rien à dire, c'est vraiment un truc assez pas mal. Hein. Ouais. Ouais, donc franchement là rien à dire. Mais si vous voulez vraiment mettre de la merde sur le PC, là en dessous, en bas, il va avoir plusieurs trucs. Il y aura marqué code source. Vous cliquez dessus. En fait, ça met un peu de temps puisque c'est vraiment de la grosse double. Voilà. Code de ressources. Donc là, il va avoir vraiment plusieurs trucs. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là, il y a vraiment plein de trucs. Donc vous allez prendre comme ça. Hop, voilà. Donc là, vous avez tout le code. Ce code. Vous allez le copier et le coller dans votre barre de recherche. Ouais. Voilà. Donc, copier. Et vous rouvrez Internet pour pouvoir l'entrer avec dans votre Google. Barre de recherche. Non. Ça ne marche pas. Et là, vous faites coller. Donc, ça met longtemps à charger puisque. C'est un assez long texte. Oui. Et ensuite vous rechercherez là l'horreur qui va arriver. Ah, j'ai pas l'impression que ça va marcher. Non. Mais en fait, nous on va se faire. Là je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Vous tapez ça. Une fois que vous avez tapé ça. C'est peut-être parce qu'on l'a déjà fait. Ouais, oui, ça doit être ça, je pense. Donc une fois que vous avez tapé ça, vous allez fermer. Internet, voilà, les deux, et vous allez ouvrir gros Internet, c'est important de le faire deux fois, mais en Internet, il va continuer, là, vous voyez que Google n'a pas changé, mais pourtant, vous avez il change de l'intérieur, vous avez 1 million de merde sur vos PC, 1 million, je vous jure, c'est quand même une grosse arnaque. Et pour vous prouver, parce qu'il y en a qui disent « Oh ouais, mais ça marche pas !» Bah je vais vous prouver que ça marche tout simplement en faisant ordinateur. Hein, ou en faisant, vous allez être, si vous avez un antivirus, c'est encore plus simple. Vous allez dans Corbeille, ouvrir avec Cleaner. Et là, vous allez voir, franchement, tout ce que vous allez avoir comme merde. Donc Cleaner est un antivirus, mais même ce virus il n'arrive pas à le contrôler. Il sait qu'il y a la merde. Donc normalement vous avez une page qui s'affiche. Mais là vous n'en avez pas tellement qu'il y en a plein. Tellement c'est puissant, vous n'en avez pas. Donc là normalement, si on a de la chance, les problèmes vont s'afficher. À moins qu'on en ait vraiment trop. Ah, ça commence à charger. Ça se détecte.
Là, ça charge comme on peut le voir voilà. À l'écran. Donc, on en a un qui apparaît. Et voilà. Et là, nous en avons vraiment pas mal qui commencent à apparaître. Et c'est pour vous prouver vraiment, c'est à cause de ça. Hein. C'est pas autre chose, c'est à cause de ça. Voilà, on peut voir la clé de programme qu'on a utilisée tout à l'heure, par exemple. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment à cause de ça. Et franchement, là, vous vous dites qu'il n'y a pas grand chose, mais franchement, c'est rempli de merde. Et voilà, donc là, vous pouvez voir tout de suite. Et surtout, ça, là. Ça. Non, mais ça. Ah, la Cyclone. Il fallait pas l'oublier. Donc, surtout désinstaller les Cycloneurs pour qu'ils ne repèrent plus aucune merde. Donc, voilà. Comme ça, vous en aurez encore plus. Vous aura plu. Et on se quitte sur ce magnifique sourire. Peace. Salut.